謹 <laughs> <ー>んでお受けします。 Bonjour, ici Kevin Valmar pour vous servir hey, hey, pour vous parler d'un autre épisode de Star Wars Vision, à savoir les jumeaux. Comme j'ai dit, c'est celui qui m'intéressait le plus après le duel, puisque là c'est fait par le studio Trigger. Alors ce studio est connu notamment pour avoir fait euh, Guren euh, Lagoon, les quelque chose comme ça, Guren quelque chose. Un, un animé sur euh, des mechas, des trucs euh, hyper euh, profonds, etc. Et un personnage. Euh, principal si je me souviens bien, enfin principal de type secondaire puisque ce n'est pas le héros mais c'est le frère du héros qui finit par mourir dont la mort a été très euh, très aimée parce que justement elle était très émouvante euh, le personnage était très attachant etc et, euh, bon bref donc euh, voilà j'avoue que les trucs avec les mechas c'est pas trop mon truc les, les Sentai ça a jamais été mon truc de base euh, Power Rangers quand je regardais ça Bon déjà, il fallait vraiment que je sois désespéré pour me mettre à regarder Power Rangers, hein, donc euh, voilà quoi. Parce que pour moi, déjà, à l'époque, je trouvais que les... que toujours terminer les combats avec un robot géant, c'était. Euh, euh, voilà, quoi. Hein. C'est pas ce qu'il y avait de plus passionnant. Donc ça fait que pour moi, les trucs comme Evangelion ou des trucs comme ça... Bon bah voilà, quoi. Tu me mets un gros méca géant. Euh, pff, ouais, ok, d'accord, mais c'est pas ma tasse de thé, quoi. C'est vraiment le truc que je trouve. Euh... Ouais... Pff. Ok, euh, si vous voulez, mais. Bof. Donc, euh, voilà. Et vu que Gouraine, machin truc, euh, bah il y a beaucoup de meca géants. Bon, euh, bah, euh, voilà, quoi. Disons que ça ne m'a pas trop intéressé, ça. Par contre, un autre truc que le studio Trigger a fait que j'ai ai beaucoup aimé, c'est Little Witch Academia. Donc, euh, voilà, voilà. Entre autre chose, autres choses, puisque j'ai vu d'autres de leurs projets, etc. Mais le premier vrai truc euh, qui m'a intéressé au studio, c'est vraiment Little Witch Academia. D'abord la série, ensuite j'ai regardé les OAV qui ont été faits avant la série. Et ensuite j'ai commencé à regarder à droite et à gauche d'autres trucs qu'ils ont fait euh, ici et là. Dont notamment quelques épisodes de Groen, machin truc. Mais comme j'ai dit, euh, avec les mecs, je, je sors vite du truc, quoi. C'est vraiment un truc que j'arrive pas à rentrer dedans. Donc voilà. Donc lisons le synopsis. Alors des jumeaux nés du Côté Obscur s'affrontent à bord d'un énorme Star Destroyer. Voilà, ça c'est un super résumé d'épisode. Alors, plus précisément, les deux jumeaux en question. On a la fille qui s'appelle Am, et on a le garçon qui s'appelle Car. Tous les deux sont sur une espèce de Star Destroyer de type Jiminy. C'est en fait deux Star Destroyers qui sont réunis par un énorme truc. Et cet énorme truc, en fait, c'est un super canon. Comme euh, celui de l'étoile de, de la mort, et qui a pour principe de détruire des planètes, des trucs comme ça, etc. Mais pour ça, il faut la puissance d'un cristal. Et plus précisément, un cristal de sabre laser. Non, j'appellerai pas ça un cristal Kyber. Je rentre pas dans les délires de Disney, moi. Hein. Donner un nom aux cristaux de sabre laser, c'est stupide. Je veux dire, c'est les cristaux de sabre. À quel moment t'as besoin de leur donner un nom euh, cristaux Kyber non, sérieux, je sais pas. Pour moi, leur donner un nom, ça signifie que c'est juste une ressource banale que tout le monde peut utiliser pour x ou y raison. Alors que non, normalement, dans, dans l'univers Star Wars, les cristaux de sabre, c'est pour les sabres uniquement. C'est... Voilà, il n'y a pas d'autre utilisation. C'est... Euh... Enfin bref, je sais pas comment l'expliquer, etc. Mais bon, pour... pour moi, les cristaux de sabre sont quelque chose qui sont... Qui sont sacrés, tu, tu dois pas leur rajouter des noms, tu ne dois pas leur ajouter des fonctions, des trucs comme ça, etc. Mais bon, bref, 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 bref. Acceptons, voilà. Bon bref. Donc, grâce à un cristal de sabre, ils peuvent défoncer des planètes. Sauf que voilà, le jeune car décide de prendre le truc. Ce qui énerve un petit peu sa sœur. Et euh, comment dire Pourquoi il fait ça Tout simplement parce qu'il a eu une vision. Une vision de sa sœur qui souffre à cause de ce cristal. Donc il décide de s'en emparer pour bah, éviter qu'il lui arrive ça en fait. Sauf que voilà, Madame n'écoute pas. Hein ils ont tous les deux été créés par le côté obscur et doivent ramener la gloire de l'Empire. Donc encore une fois, toute évidence, si ça devait être placé quelque part dans l'histoire, ça devrait se placer juste après le retour du Jedi. Donc euh, voilà, quelque part par là. Donc euh, voilà. Voilà, voilà. Donc ils veulent reconstruire l'Empire et tout, tout, ça, etc. C'est donc vraiment tout juste après le retour du Jedi parce que je rappelle que l'empire euh, enfin les vestiges de l'empire ont fini par se renommer en le nouvel ordre donc euh, voilà quoi ça, ça vous donne un peu une idée une image du truc donc euh, voilà bref donc euh, comme je disais euh, donc ces deux jumeaux euh, s'affrontent donc dans l'espace sans combinaison pour, euh, pour respirer, etc. Au début, la fille elle a son casque et tout. Le garçon aussi a une armure. Une armure qui lui donne une voix hyper grave comme ça. Mais après, quand il enlève son casque, ça y est, il retrouve sa voix de héros de shonen.mp3. Sérieusement, il a la voix du héros de shonen, le, le gamin. Donc euh, voilà quoi. Bref. Donc le jeune homme euh, essaie de convaincre sa soeur qu'il ne faut pas utiliser le, le cristal de, de sabre laser. Donc elle, elle s'en sert pour euh, le mettre sur son armure pour pouvoir combattre son frère pour obtenir plus de puissance. Et lui décide d'utiliser le petit morceau qu'il a réussi à récupérer pour le mettre dans son sabre laser. Donc voilà. Et son sabre laser, c'est une espèce de violet pâle, bleu pâle et blanc. C'est surtout du blanc, mais tu vois aussi qu'il y a des nuances de bleu pâle et de violet pâle. Donc ça sous-entend que le garçon qui a été créé par le côté obscur, hein, je le rappelle encore une fois, euh, n'est pas totalement du côté obscur. Enfin dans l'idée de Disney, parce que pour eux, euh, couleur du sabre laser égale euh, ton côté de la force. J'ai toujours trouvé ça ridicule. Pour moi, un cristal de sabre, ça a une couleur prédéfinie, ça, etc. Mais bon, que voulez-vous C'est Disney qui veut absolument mettre des règles stupides de ce genre-là. Enfin bref. Donc euh, voilà. Donc. Euh, donc voilà. Donc il a un cristal de sabre laser intéressant. Alors un peu classique, mais bon, voilà quoi. C'est. Euh, voilà, voilà. Euh, si je me sens bien, on entend des thèmes, mais c'est surtout en fait des reprises des thèmes de John Williams, donc des thèmes de Star Wars assez classiques. Donc voilà voilà. Euh, donc le combat s'enchaîne et tout, et donc à un moment donné la fille n'arrive pas à contenir la puissance, la vision du garçon est en train de se réaliser, il ne sait pas quoi faire Alors il trouve un super plan grâce à son droïde, c'est un tir passé en hyperdrive, mettre la puissance au max de son cristal avec son sabre laser pour découper le cristal qui est dans l'armure de sa sœur, pour éviter que celui-ci ne, ne la dévore et ne finisse par la tuer. Et donc euh, voilà, le problème c'est que c'est très risqué comme technique parce que bah l'hyperdrive c'est le passage en hyperespace. Donc, ça veut dire que s'il fait ça en étant à l'extérieur du vaisseau, normalement, il meurt dans le processus. Parce que dans l'idée, euh, il va à la vitesse qui va plus loin que le son et la lumière. Et il va à des millions, voire des milliards de kilomètres. Donc, normalement, il ne survit pas à ça en étant à l'extérieur du truc. Dans le vaisseau, d'accord, etc., parce que c'est prévu pour. Mais si tu es à l'extérieur et en plus sans armure ni quoi que ce soit pour te protéger. Bon! Comment dire que les chances de survie du garçon sont assez réduites? Mais il décide de le faire. C'est Trigger, après tout, euh, faire du spectaculaire avec euh, de l'incohérence. Euh, voilà quoi. Je vous ai dit qu'il se battait dans l'espace euh, en ayant aucun casque pour, euh, pour pouvoir respirer. Donc à ce niveau-là, voilà hein, quoi. Tr Trigger te fait euh, dire: non mais écoute, on va te faire du spectaculaire, oublie la cohérence euh, spatiale, tout ça, etc. Oublie euh, tes, tes trucs euh, sur la physique et tout. On euh, on te propose du spectacle, accepte-le. Bon, ben, ok, très bien. Donc euh, j'accepte euh, l'idée. Donc euh, voilà. Bref. Mais ça ne veut pas dire que je les ignore, hein, parce que ils sont là quand même. Donc euh, voilà. Bref. Donc voilà. Donc il passe en hyperdrive. Euh, hyper il arrive donc à découper euh, le, le, le cristal avec son sabre euh, en le mettant à pleine puissance. Euh, la fille donc à euh, son armure qui se pète dans tous les sens et en passant hyperdrive. Le garçon découpe euh, une partie du Star Destroyer Jiminy. Qui est, était évidemment un clin d'œil au, euh, au découpage de vaisseau euh, de, de la dame là aux cheveux roses ou je ne sais plus de quelle couleur euh, dans le dernier Jedi qui donc décide de se sacrifier euh, pour, euh, pour permettre euh, aux rebelles de s'enfuir. Euh, bah Là c'est pareil, tu vois qu'au niveau de la façon dont c'est montré pour. Euh, pour le côté lumière, l'explosion du truc, etc. C'est totalement comme dans le, euh, le dernier Jedi, c'est-à-dire le machin est bien découpé en deux, avec une, une, une lumière qui sort euh, entre les deux parties euh, qui a été détruite et tout. Enfin bref, donc voilà. Et le truc, c'est que euh, une fois le côté sublime passé, le machin explose dans tous les sens. Donc euh, voilà. Donc ensuite, t'as la fille qui dérive dans l'espace, comme ça là, puisqu'elle est complètement assommée. Et il y a son droïde protocolaire. Euh, qui arrive à, pour aller la sauver. D'ailleurs, chose que j'ai calculée, les deux là, les jumeaux là, ils se sont battus dans l'espace sans, sans, sans porter de casque, ni de scaphandre, ni quoi que ce soit pour respirer. Mais le droïde protocolaire, oui Je rappelle, un droïde protocolaire, c'est une machine, c'est un robot, il n'a pas besoin de respirer. Et c'est lui qui porte un scaphandre Quand je vous disais que Trigger, on n'avait rien à foutre de la, de la cohérence. Donc euh, voilà, bref. Donc, c'est sur ça que ça s'arrête avec la fille. Et pour le garçon, on découvre qu'il a survécu Quelle chance Il s'est retrouvé sur Tatooine Parce qu'on entend des Jawas en train de démonter son vaisseau. Pourquoi pas, hein D'ailleurs, il a un X-Wing, alors qu'il dit, dès le début de l'épisode, que la République, l'Empire, tout ça, il n'en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est juste sauver sa sœur. Donc, euh, voilà, quoi. Bref, donc... Euh, où est-ce qu'il a trouvé ce X-Wing, tout ça, etc. Alors, dans l'univers étendu original, je rappelle que le X-Wing était un vaisseau... Euh, un chasseur euh, qui a été prévu pour les forces impériales, qui a été euh, récupéré par les rebelles et que donc ensuite les rebelles se sont mis donc à, à mettre, euh, enfin récupérer sur le marché noir tous les euh, modèles de X-wing qui étaient proposés ensuite. Donc voilà, puisque l'empire euh, a décidé de passer plutôt aux euh, au Tie Fighters. Donc euh, voilà, bref, euh, enfin des Tie Fighters plus modernes et qui seraient donc meilleurs que les X-wing, euh, qui étaient des, euh, des versions améliorées. Des Z95, qui sont en fait les chasseurs euh, des, des soldats clones. Donc euh, voilà quoi. Enfin, un des modèles qu'ils utilisaient. Parce qu'il y a eu plusieurs types de chasseurs durant la, la guerre des clones. Le Z95 est celui qui est, qui est le plus, on va dire, basé euh, comme base pour faire ensuite le X-Wing. Le X-Wing qui a 4 L alors que le Z95 n'en a que 2. Enfin bref, je vais éviter de vous parler de ça, c'est. Euh, on n'est pas là pour ça. Donc voilà. Donc, le jeune homme, euh, il décide de se poser. Hein. Les Jawad bon de son vaisseau, mais lui il décide de se poser en attendant. Hein. Après tout, pourquoi pas Donc, euh, voilà. Alors, comment il a fait pour se retrouver sur Tatooine en n'étant pas dégommé par l'atmosphère Ça, encore une fois, la cohérence, tu l'oublies. Donc, euh, voilà. Euh, mais donc, le jeune homme dit à son droïde, « T'inquiète pas, on va retrouver ma soeur. Euh, après tout, on est jumeaux et tout. Mon but, c'est juste de la sauver, etc. » Et donc, voilà. Donc, l'épisode s'arrête sur ça. Le jeune homme qui regarde donc les deux soleils de Tatooine, qui se couche, donc voilà, un peu comme Luke Skywalker, d'ailleurs, il ressemble à Luke Skywalker, je pense que c'est voulu. Donc euh, voilà, quoi, bref. Donc euh, voilà, voilà. Euh... Et là, encore une fois, il y a une sensation que ça pourrait être bien d'avoir une série sur ça. Et là, encore plus qu'avec le, le duel. Là, avec les jumeaux, on a vraiment une base euh, pour raconter un scénario, une vraie série qui pourrait avoir plusieurs épisodes. Avec le héros de Shonen, comme j'ai dit, qui est donc le garçon, car qui essaierait de sauver sa soeur, qui est du côté obscur, etc. Évidemment, à la fin, elle rejoindrait le côté de la lumière et tout. Mais d'abord, on l'a fait méchante, ça, etc. Donc euh, voilà, pour bien montrer qu'ils ont été divisés par cette, euh, cette histoire, compagnies Parce que le garçon arrive à avoir des visions euh, où sa soeur souffre. On peut donc imaginer euh, qu'elle, elle pourrait avoir des visions où son frère souffre. C'est pour ça que elle, elle n'a pas vu des visions où elle souffrait, mais que lui, oui. Donc euh, voilà, donc que leur lien leur permet de voir quand est-ce que l'autre est en danger. Donc euh, voilà, donc ce lien spécial qu'auraient donc les jumeaux, hein, mais expliqué cette fois-ci avec le concept de la force et tout. Donc euh, voilà. Et euh, ce serait très intéressant euh, d'avoir le garçon qui se crée une petite bande. Euh, et vu le timbre de voix qu'il a, je le verrais vraiment en héros de Shonen, c'est-à-dire le garçon qui découvre la galaxie, qui comprend pas forcément tout ce, tout ce qui se passe autour de lui, etc. Mais qui est quand même un héros dans l'âme. C'est voilà. Et qui... Le principe qui s'en fiche de la République et de l'Empire, ça, ça m'intéresse. Avoir un personnage qui n'en a rien à faire de ces histoires-là. Qui veut pas se combattre pour l'Empire, pour la République, pour qui que ce soit d'autre, qui n'en a vraiment rien à faire que son seul et unique but, c'est de sauver sa sœur. Donc voilà, pour moi, ce serait vraiment intéressant à voir. Donc voilà, ce serait vraiment l'idée euh, du combattant qui ne se bat pas pour euh, les gentils, qui se bat uniquement pour sa sœur. Sa sœur qui est du côté des méchants, mais qui, qui sait qu'elle euh, qu est en danger et qui doit donc la sauver que son objectif c'est juste sauver sa sœur. Donc euh, voilà. Il pourrait donc se créer une petite bande de différents personnages venant de quatre coins de la galaxie, ayant chacun un passé différent, etc. Ça pourrait être intéressant à regarder en forme de série. Et en plus, avec le style graphique euh, de Trigger, ça pourrait être très intéressant et visuellement très beau. Alors la cohérence, on la jetterait à la poubelle, mais vu comment c'est sublime là-dedans, bon bah voilà quoi. Après, je dis que c'est sublime, mais. Ça m'a pas impressionné pour autant, parce que j'ai tellement regardé des trucs de trigger que pour moi ça ça me paraît trop classique en fait venant d'eux. Au début de l'épisode, on a un petit effet 3D pour nous présenter Car, euh, mais il est vide de passage, quoi, ce, ce petit côté 3D là, dans cette espèce de couloir où on voit les, les deux couloirs de, de vaisseaux qui sont côte à côte, et on va du côté de, de celui de Car, et donc il y a un effet 3D plutôt sympa, donc voilà, mais... Voilà quoi, il est utilisé très rarement et et voilà quoi. Après, c'est parce que, comme j'ai dit, je regarde beaucoup de, de trucs de Trigger, donc j'ai fini par m'y habituer à leur style graphique. Contrairement à Le Duel, où là le style graphique pour moi était tout nouveau, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu jusque-là. Alors que Trigger, je suis habitué, je suis euh, complètement euh, dans un truc que je connais parfaitement, donc pour moi ça m'impressionne pas. Mais je reconnais quand même qu'ils ont su faire des trucs sublimes, mais c'est des trucs assez habituels chez eux, donc euh, voilà quoi. Donc, si vous avez déjà regardé des trucs de Trigger, les, le, tout le côté graphique et la façon dont ils essaient de montrer des trucs ultra géniaux, ultra spectaculaires, etc., ça va vous paraître classique venant du studio Trigger. Mais au contraire, si vous ne connaissez pas le studio Trigger, là par contre, ça va vous paraître assez intéressant et visuellement très beau. Donc euh, voilà quoi, bref. Donc, encore une fois, un épisode des plus intéressants. Graphiquement, comme j'ai dit, bon, je suis immunisé, mais c'est très beau. Euh, les personnages sont sympas, l'histoire est un bon début pour une série, mais vraiment là pour le coup, euh, la musique c'est surtout des reprises de John Williams donc euh, voilà quoi. Mais sait-on jamais des fois qu'ils peuvent faire quelque chose qui, euh, qui puisse être euh, beaucoup plus recherché, ça etc. Donc euh, voilà, voilà voilà. Et évidemment le, tout, tout le côté combat est assez bien je trouve. Mais après, comme j'ai dit, c'est du spectaculaire. Et comme j'ai dit, à force de regarder du trigger, et donc à force de leur voir euh, de les voir faire du, du spectaculaire, bon bah voilà quoi. Mais le combat il est, euh, il est plutôt bien, il est plutôt sympa. Je trouve que c'est un peu moins recherché niveau chorégraphie euh, que dans le duel, mais bon, c'est trigger. Leur but c'est de faire du spectaculaire plus que quelque chose de cohérent. Donc euh, voilà, donc je peux comprendre que au ni à ce niveau-là, c'est un peu moins recherché, mais euh, tout de même, c'est... Euh... C'est bien, ils ont essayé de faire quelque chose euh, quand même qui colle à l'esprit Star Wars et c'est plutôt bien fait. Donc euh, voilà, c'est pas non plus parfait, mais ah, ça va. Il y a juste le problème de la cohérence, mais sinon, voilà quoi. Donc voilà, euh, encore une fois, je suis euh, frustré de savoir qu'il n'y aura pas de suite à ça. Et pourtant, contrairement au duel, là par contre, là vraiment, c'est un début de, de, de série qui aurait pu être bien. Une espèce d'épisode euh, zéro pour, euh, pour proposer un début d'histoire. Et on aurait ensuite l'épisode 1 avec des flashbacks pour montrer que, comment ça s'est passé, la création des jumeaux, et qu'ils essaient de comprendre euh, pourquoi ils ont été créés. Parce que d'ailleurs, ouais, durant l'épisode, euh, ils disent qu'ils ont besoin de l'un de l'autre pour comprendre pourquoi ils ont été créés. Parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Donc voilà, ils savent qu'ils ont été créés pour servir les forces obscures et l'Empire, mais ils savent pas dans quel but final. Donc euh, voilà. Donc ce serait bien justement de découvrir euh, ce que c'est que, que cette histoire. Et comme j'ai dit, après tu mets euh, au jeune garçon à, à car euh, une bande à lui, hein, avec euh, le rigolo, euh, la fille superficielle, euh, l'intello du groupe, tout ça, etc. Enfin bref, vous voyez le truc assez classique qui collerait au style de Trigger, mais des personnages qui seraient plus profonds que ça. C'est-à-dire on prend des, stéréoty des stéréotypes de personnages. Mais on les rend beaucoup meilleurs que ce qu'ils sont à la base. Donc voilà, qu'on dépasse leur côté euh, stéréotype. Qu'on les amène à devenir quelque chose de plus grand. Donc voilà. C'est habituellement ce qu'a toujours su faire Trigger. Donc euh, voilà quoi. De ce que j'ai entendu dire, c'est ce qu'ils ont le mieux réussi dans Gouren à réussir à faire que leur personnage arrive à dépasser leur, leur côté stéréotype. Comme j'ai dit, le grand frère, vous savez, celui qui, qui a une mort spectaculaire et tout, enfin qui, qui est émouvante, qui, euh, qui colle bien au personnage, qui a fait que tout le monde a pleuré, etc. Parce que le personnage se veut du genre comique. Donc normalement, c'est celui qui fait rire. Mais de ce que j'ai compris, c'est aussi euh, un grand stratège. C'est quelqu'un qui, euh, qui est aussi un grand leader, qui encourage tout le monde, ça, etc. Bref, c'est vraiment l'exemple du grand frère qui, euh, qui prend soin de tout le monde. Pas uniquement de son petit frère, mais vraiment de tout le monde. De tous ceux de son équipe. Et donc le spectateur s'attache à lui parce que justement on a l'impression qu'après, derrière, c'est ton propre grand frère qui fait partie de ta famille. Donc le voir mourir, ça finit par t'affecter. Donc voilà. Enfin, ça, c'est dans l'idée. Hein. Je rappelle tout ça, etc. Hein. Après, chacun a une sensibilité euh, différente, euh, une sensibilité différente euh, par rapport euh, aux séries de ça, etc. Mais donc euh, voilà quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que je perçois les choses. Bref. Donc voilà. Donc, épisode euh, sympa. Qui, euh, encore une fois, je suis frustré qu'il n'y a, qu a pas une série de prévues de derrière. Et là, encore plus qu'avec le duel, parce que là, ça se prête vraiment à un début de série qui pourrait être intéressant. Et en plus. C'est celui que je pense que je reverrai en premier en, avec les voix FR parce que là, ça m'intéresserait vraiment d'entendre la FR euh, de ce que j'avais écouté dans la bande-annonce. Ça avait l'air de passer, donc écoutez. Donc euh, voilà quoi. Je pense que normalement, ils ont fait euh, du très bon travail niveau comédien de doublage. Euh, ça devrait être correct, tout ça, etc. Donc normalement, ça devrait être ok. Puisque que je rappelle, je regarde les épisodes en VOSTFR, donc c'est-à-dire en japonais sous-titré. Donc euh, voilà quoi. Bref. Donc, sur ce, les vagents, à plus, portez-vous bien, mangez des cookies, vous venez des et ciao ciao, on se retrouvera donc pour un prochain épisode. Alors, je vous propose, comme j'ai revu la bande-annonce pour. Euh, comment ça s'appelle Pour, euh, pour euh, bah, vous en faire la petite intro là, que je mets en début de, de vidéo, là. Euh, je vous propose qu'au lieu de regarder la mariée du village d'abord, qu'on regarde d'abord le 9ème Jedi. Parce qu'en revoyant le trailer, j'ai calculé que c'était dans le 9ème Jedi. Qui a la fille avec le sabre laser d'une espèce de vert, de vert un peu faiblard ou pâle, ou je sais pas comment expliquer ça, mais une espèce de vert bizarre. Donc voilà, donc encore un sabre laser avec une couleur intéressante qui va au-delà du bleu classique, ou du vert classique, ou du rouge classique. Donc voilà, bref. Donc, sur ce, vachement, à plus, portez-vous bien, mangez, cuisinez, essayez, tchao tchao, on se retrouvera donc pour le prochain épisode qui sera donc... Le 9ème Jedi, je monte ça, je regarde ensuite l'épisode, et ensuite je vous fais la critique, je monte la critique du 9ème Jedi, et je passe à un autre épisode, etc. etc. Et c'est comme ça que je vais tourner jusqu'à ce que je termine toute la série. Voilà. Allez, à plus les majeurs.